Bonsoir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas stream. Il est temps, les amis, de retourner sur un jeu que je n'avais pas lancé depuis quasiment plus d'un mois. Et oui, ça y est, on retourne sur du G-Mode. On va revoir si ça a changé ou pas. Putain, les fils de... Bon, je rage quitte. Moi aussi, je me casse. Non. Ah, ce petit menu là, oh il m'avait pas manqué. Le gagne est fait une protection, on verra déjà. Oh, on se calme. On va déjà essayer d'en trouver un serveur potable. On va essayer Arvana, c'est quoi ça? Ça va être ça, j'imagine. Cocaïne, moto, drone et tout le tralala. Havana RP, c'est qui? Eh oh hein. Tristan, Otaku. Une légende raconte qu'on pourrait l'apercevoir chez vous. Alors, comment s'organise ce jeu déjà? Qu'est-ce qu'on fait? On va créer une famille, on va faire une famille, on va refaire une famille, puis on va créer notre famille, on va créer des bébés. Ah, j'ai une arme. Ah merde, une arme. Bonjour mon petit monsieur. Peut-on faire affaire? Il me faudra un bloc, s'il vous plaît. Un bloc, s'il vous plaît. Deux blocs, deux blocs. Ah, deux gueulés. Bon alors, ouais, il y a tout ça, ok. Tant que ça, ça me fait des bénéfices. Bon alors monsieur, ok. Bonjour, deux blocs s'il vous plaît. Je suis avec mon ami. Deux blocs, 4000 au total. Ça coûte cher. Oh, on pourra faire du GTA RP. Enfin le jeu GTA. Tiens, vous prenez un chacun. Voilà. Oui, c'est vous. Bonjour monsieur. Alors voilà, essayez bien pour savoir combien coûte une AK-47 s'il vous plaît. Je n'ai pas de AK-47 monsieur. Dommage. Vous avez un pistolet type Desert Eagle? Type Desert Eagle, non, mais type Glock, oui. Type Beretta, oui. Mm-hmm. Un petit Glock, combien se coûte-t-il? 2000, oui. D'accord, je vous donne ça. Et voilà mon bon petit monsieur. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, Sam. Ouais, je sais que je suis bon, toi aussi. Eh oh. Eh, on va pas lever les poules ensemble, ok? On verra bien. Eh tiens, mon vilain, on va faire du sale avec ça. Merci beaucoup, Sam. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. J'ai mode d'Arca. Alors déjà c'est pas comme ça. Il faut acheter Garry's Mod sur Steam, disponible à 10€, voire 2 quand c'est en solde de ouf. Mais voilà, 10€, c'est un jeu en gros sandbox qui regroupe plusieurs modes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Dark RP, il y a plusieurs RP, il y a évidemment le Slasher, il y a évidemment Prop Hunt et tout ce que tu veux, Murder et tout. Et tu peux effectivement avoir le Dark RP qui est un mode roleplay. Si tu veux y jouer, n'hésite surtout pas, c'est gratuit à partir du moment où t'as acheté le jeu. Voilà, j'essaie de présenter le jeu mais je m'en fous en fait. Je vais move quelqu'un. Faites un tonnerre d'applaudissements pour un gros gars. Je ne parle pas de Junior Studio. Oh, ça va, je rigole. Salutations, homme de la nuit. Et salut. Ah, welcome to my channel. If you want, you can take a drink. Ça ne va rien dire. On peut l'avoir sur PS4 car j'ai pas de PC. Non, désolé, y a pas G-Mode sur. Ce serait marrant sur console. Oh, ça serait trop le da web. Ça serait trop la merde. J'avoue, faudrait un système de simplification de... Un système de coulis, un peu là, avec un peu d'encre. Bonjour monsieur. Hey, il est où? Hey. Oh ok, pour moi vous êtes passé à travers la porte, j'ai eu un peu peur. Comment allez-vous? Que faites-vous chez moi? Comment c'est pouvoir acheter cette maison, cette magnifique maison? J'ai juste de l'acheter. Bah oui, mais après j'ai vu l'annonce, c'est pour ça que j'étais venu. Ah, il y avait une annonce? Un peu en retard. Ah mince. Ouais. Bah écoutez mon petit monsieur, vous savez quoi, je suis un peu gentil aujourd'hui, je vais vous passer la maison, y a pas de souci. Je vais aller m'en prendre une autre. Non mais c'est bon, c'est pas la première. Ah, vous êtes sûr? J'ai flashé. Ah, si c'est pas la seule, alors tant mieux. Bah voilà, bah merci beaucoup. Ah, pas de souci, au revoir monsieur. Le mec veut pas trop se faire d'ennemis, tu vois. Ouais. En plus, genre, il me dit, ouais, j'aurais voulu acheter cette maison. Je fais, ah bah c'est pas grave, au pire, bah voilà, je peux la revendre. Il me fait, non, mais gardez-la, j'ai flashé sur notre maison. Hein. Et d'abord, et en plus, genre, il est arrivé, il a passé à travers la porte. Ça te dit pas qu'on. Bon, après, je te le dis pas de changer maintenant, mais de retester un autre mode, genre, tu sais, les vieux modes qu'on faisait avant. Genre Star Wars RP. Oh. Bon, j'ai joué un peu partout sur l'écran. Voilà, attendez, faut que je nettoie. Hop, avec, voilà. Avec... Hey, Military RP, on présente aussi. J'ai jamais fait de Military RP. Oh. C'est comme si quelqu'un te disait, j'ai jamais mangé de kebab, quoi. C'est absurde.
MDR. Dis donc, hey, tu connais pas quelqu'un qui n'a pas mangé de kebab, toi? Moi, j'en connais pas. Ah si, hein, Mustang. Ah si, c'est vrai. Et du coup, là, tu m'as dit de pas insulter. Ah oui, alors... Et sur les streams... Oui, tu dois pas dire... Et tout ok, ça, donc... Dis pas. Ouais, t'as pas le droit, parce que sinon, après, YouTube, bah, tout ce qui est... En plus... Et il zappe, tu vois. C'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Okay. T'as, hey, t'as vite compris le truc, bordel de... Faire un alt tab juste pour vérifier si j'étais pas sur un autre Discord, sur ce Discord. Ah oui, espèce de d'anus, pardon. Comment tu m'as appelé là? Anu. Tu fais un anu. Là, t'as quand même plein d'erreurs. Bah j'en ai que deux. Après, j'ai un tire printer et une batterie printer. Donc moi par contre, s'il y a plein d'erreurs, ça va partir en cacahuète pour pas m'énerver. Oh bah qu'est-ce qu'il me veut lui? Allez, bonjour. Bonjour, je suis prêt à faire tous les métiers. Ah. Bah vous savez, moi je commence un peu. Y a mon ami qui va pas tarder à arriver, vous savez quoi, revenez d'ici 5-10 minutes, ça devrait pas être trop long, histoire qu'il arrive avant et qu'on s'organise et puis bah. Et on vous trouvera un petit boulot à faire. Je suis le commandant, nous allons à Bamako. C'est raciste. Ah, mais quoi, c'est pour raciste devenir. En quoi? Eh, hey, After, vas-y, décris-nous en quoi c'est raciste. Je t'écoute. Ah, attends. Tu prends un accent congolais. Ouais. Un, et ça, tout le monde n'apprécie pas trop parce qu'ils vont tous dire. Prendre un accent cliché congolais, c'est. Alors, imagine. Vas-y. Si un congolais prenait un accent français, pour toi, c'est raciste? Attends, quoi, un congolais? Ah, oh. Ah, putain. PD, va. Ah, attends, qu'est-ce qu'il me... Bonjour, oui, laissez-moi deviner, vous cherchez du travail vous aussi? Ah, vous êtes nos voisins d'où? D'en face, d'à gauche, d'à côté, d'à droite, de juste en ouest, sud-est, 135, est? En face. Ah, c'est mal de... Au plaisir, que ça alors. On se fera une bouffe, un soir, un barbecue. Y'a un bon bœuf bourguignon, ouais. Sa mère. Oh, est-ce que t'as entendu mon épaule craquer, gros? Non, j'ai entendu le... Oh, 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 je sors. Ah, c'est nos nouveaux voisins. On a beaucoup de voisins en ce moment. C'est bizarre, j'ai lancé un stream, il y a beaucoup de voisins en ce moment. J'aime bien, je bonjour à chaque fois à ma porte. Bonjour, ça fait. Oh, mais t'as encore le bug avec les voitures. Ouais. Quoi. Bon, je vous en prie, rentrer. Bon. Bon, pour commencer, bon, mon ami n'est toujours pas arrivé, mais il va pas tarder, vous inquiétez pas. Vous pouvez vous installer. Voilà, il est déjà pris. Printer et tout ce que vous pouvez, évidemment. Vladimir Popov est déjà pris. D'accord. Et puis voilà, vous faites comme vous voulez, vous faites des meufs. Qu'est-ce que mon ami arrive et puis on fera les plans juste après, y'a pas de soucis. J'espère que c'est pas un agent de la bague parce que dans ce cas je suis gravement dans la. Je peux en avoir pour 20 ans de prison. Oh oui, d'accord. C'est pour moi ou. Je veux dire, on partage ou quoi, quoi, quoi. Oh my goodness. Je dis rien pour créer un gène. Ah, il est masse armé. Oh. Eh ben mon dodo, mon cochon. Pourquoi tu m'as toujours pas. Enfin, j'ai pas fait ça. Arrête. Bah non, c'est la nature. C'est pas la nature, ça, espèce de truc. Bah c'est la nature, ça. Ça veut dire que pour toi c'est contre nature? Bah non, bah mais tu vas pas t'amuser à mettre ça dans la bouche de part de tout le monde. Hein. Bah si. C'est fait pour ça, non? Non. Peux rentrer. T'es en bas? Bah non, je suis pas en bas. C'est à qui? Ah, c'est à qui là? Tiens, monsieur. Salut. Ah, et je peux alors... même pas te muter. Viens, on va mettre des printers. Reste tranquille par contre, reste tranquille. Eh, tu veux quoi, Snoop Doo? Smoke weed et vous aider, bah va le fabriquer dans mon salon. Et s'il y a des flics qui passent contrôler, tu peux avoir quelque chose ou pas? Et pourquoi tu sors son arme? Je sais pas, c'est oublié. Ça fait automatiquement? Ouais. Ah, c'est un slash me auto. Un slash me auto. Bon, bon, vas-y. On met où les printers? Tu mets où tu veux. Vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez. Parce que je suis dealer. Mais un dealer, mon gars, il pète la thune et il. Bah tiens, est-ce que tu peux prendre au moins ça? Ah, moi je prends la WAP. Ah, tire printer. Waouh! Waouh! Attends, ça. C'est quoi ce truc? C'est une astuce. Attends, parce que moi je le vois pas. Hein. Il ressemble à quoi? Bah. Vas-y, décris-le-moi. C'est ça. Une imprimante de bureau utilisée pour toute une entreprise en gros. En gros, si tu veux, ça va des toilettes à la porte. Ah ouais? Jusqu'à là? Je te promets, c'est énorme gros. Enfin, ouais, tu t'arrêtes, ça s'arrête là où t'étais quoi. Moi j'ai un gros erreur, mec. Oh, oh tiens, tiens, moi je vais voir ce qui se passe. Moi aussi. Attends, mais sors pas ton arme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il veut pas partir. Ah. Et on peut tirer à travers les fenêtres? Bon, faut croire, hein. Parce que bon, finalement, je vais commencer à faire dehors. Ah, d'accord. Okay. Bah, tu cries, hein, si jamais. Y'a les schmitts, y'a les decks. C'est qui le PD là? Eh oh, vous avez pas de perquisition, vous avez pas de mandat.
pause, hein, on tire. Ok. Ou alors